qualité représentative. Bonjour, je suis très honorée de vous présenter le Grand Prix du Sencha Futsubushi. Le Grand Prix de cette année est attribué à l'atelier Tsuyoshi Seisha de Kagoshima. Et le thé sélectionné est un Sencha Furusato no Hana. Matsu Jirushi. C'est un sencha qui nous a plu parce qu'il était très doux, mais il possédait en même temps des belles longueurs en bouche et de très jolies notes fruitées sur la longueur. Toutes nos félicitations. Dans la catégorie Fukamushi, le gagnant est... Yame Ti Kumaen, Sencha Saibidori, 2020, de la région de Fukuoka. Nous avons tous sélectionné le Yame Cha, Yame Ti, simplement parce que la profondeur était sublime, grande qualité, aromatique, dégustative. Encore un grand bravo, au nom des jurés. Toutes nos félicitations. C'était un grand plaisir de participer à cette sélection finale. Et dans la catégorie Tamari Okocha, et le jury a considéré que Kamairi Blended, la société T-Holics, est digne du premier prix. Pas aisé de choisir la tasse la plus agréable parce qu'elles sont toutes très bonnes, mais cette tasse-là avait vraiment des fragrances exceptionnelles. Toutes nos félicitations. Alors dans la catégorie que nous aimons particulièrement en France, le Gyokuro, thé subtil, nous avons décerné le premier prix à la maison Maikoti Japan pour son thé Yashiki no Cha. Nous avons particulièrement apprécié. Voilà, c'était un choix qui s'est porté sur cette perle de rosée que nous apprécions beaucoup. Les feuilles sont exceptionnelles et en même temps, on aime ce côté végétal concentré avec une très belle rétroflexion, enfin, une longueur en bouche formidable. Toutes nos félicitations. Très heureux de vous annoncer le lauréat du Grand Prix de la catégorie Matcha. Alors, c'est la maison IC Japan pour un premium Matcha Marino. Que c'est encore un Matcha de Kyoto qui a gagné, c'est-à-dire qu'on apprécie la tradition. Et sans parler à la place des autres membres du jury, on a noté pour une dégustation à quel point l'instant matcha était tant attendu. Je crois que nous aimons énormément le matcha. Toutes nos félicitations. Bonjour. Catégorie des autres variétés de thé, nous avons aux élus
la société Chakubu Irumaen pour un Ejisha Karoyaka. Nous avons particulièrement apprécié ces arômes profondément noisetés et en bouche sa légèreté, sa digestibilité qui en fait un thé parfait pour les très jeunes et puis aussi pour les non-jeunes. Merci encore. Toutes nos félicitations.大使特別賞を発表させていただきます。大使特別賞受賞者株式会社製茶辻木抹茶の朝日です。すべての品種を受賞のお茶をいただきました。お茶の中には様々なカテゴリーがあって、それぞれ味が違うので、その中から一つを選ぶというのはほとんど不可能に近いことでした。 Chance à nouveau de déguster énormément de thé très différents, en quantité beaucoup plus importante que l'an dernier et avec des saveurs plutôt nouvelles, des pistes. On sent que les producteurs japonais explorent des pistes différentes, sortent un peu de leur production traditionnelle qui est remarquable. Et à nous, dégustateurs, qu'on soit importateur ou professionnel ou grand chef comme faisait partie le juré, ça a vraiment permis de découvrir des thés de haute qualité. Et donc après de les transmettre et de le faire savoir bien sûr au public français. Et cette année encore, on a eu une sélection extraordinaire. On a eu vraiment des producteurs qui ont donné la quintessence de leur travail. Et ça a été vraiment, pour nous, en tant que jury, une des belles découvertes. Ça nous permet de nous cultiver et de pouvoir nous enrichir. Et je pense que le thé, en France, commence tout doucement à prendre de plus en plus d'ampleur et va devenir aussi une boisson essentielle à notre alimentation.皆さん本当におめでとうございます。日頃本当にいろいろと工夫をしたり苦労してお茶を作ってらっしゃるんだろうと思います。それぞれのカテゴリーごとに様々な香りと味がして、日本茶っていうのがいかに豊かなものかということを今日改めて感じました。今まだまだ大変な状況続いてますけれども、ワクチンも広がってですね、必ずこの危機っていうのは終わると思います。でその時に向けて 頑張ってほしいと思います。日本茶もですね、これからますます世界に出ていかないといけないと思いますので、そのためには日本人の評価だけじゃなくて、味に対して、匂いや香りに対しても非常にフランス人の評価を聞いていただいて、ますますいいお茶を作っていただいて、どんどん世界に進出していくと、そういうことができれば非常にいいなと思います。